Et bonjour, bonjour les amis, fidélité, 34 ans du Festival de la Voyance qui se passe ici, le culturel et des congrès André Grosjean. On va tout de suite rejoindre Marie-Hélène Exertier et son équipe de 11 voyants médiums astrologues. À tout de suite les amis. Déjà un an. Si je pensais aux prévisions du voyant que j'ai vu il y a un an, je me dirais que j'ai bien fait de venir. Mais tout le monde dit, oulala, faut pas faire ça, parce que sinon vous allez penser à ça tous les jours. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Pour la chaîne Autour du Lac Facebook, Instagram, le site autourdulacdubourget.fr, YouTube. Chaque année, avec fidélité, je viens vous voir. Oui, et je t'en remercie. Moi, je vous en prie, Marie-Hélène. Ça fait, chaque fois je le dis comme un vieux, que je suis 20 ans qu'on se connaît. 22 ans. Ça fait une paire d'années. Une paire d'années, comme disent les Lorrains. Alors, vous êtes à quel étage, là? Vous êtes... Nous sommes au premier. Oui, au premier. Oui. C'est un endroit où vous êtes du centre des congrès André Grosjean. Bien sûr. Il y a toutes les boutiques de médecine, comment on appelle ça, d'huiles essentielles, de médecine parallèle. Oui. Hein? Vous avez des numéros, Et puis aussi la librairie lors du temps, comme d'habitude. Ah oui, elle est où, la librairie? Et puis, il y a beaucoup de voyants. Et voyantes, il y en a combien? De médiums, de voyants? 11 cette année. 11? Ce qui est bien? Ah oui, ça évolue, ça augmente. C'est bien, parce que plus on a de choix, mieux on a. La librairie, comment s'appelle-t-elle déjà? L'Or du Temps. Ah oui, L'Or du Temps. Voilà, et là, on y trouve tous les livres. C'est madame? Bonjour. C'est qui la librairie? C'est... La librairie, c'est madame. Pardon, madame. Bonjour, mesdames. Bonjour, la librairie. Bonjour. Non. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien. Chaque année, on vous voit. Alors, vous, librairie hors du temps, c'est évidemment des éditions liées au spirituel. Plutôt, oui. Oui, d'accord. C'est plutôt développement personnel, médiumnité, tarologie et astrologie. Et puis, on va voir plus près, montrez-moi quelque chose qui vous marque. Bon, il y a, je vois qu'il y a aussi des bougies. Oui, donc il y a les neuvaines, vous avez donc des oracles et du tarot. Ah, le tarot de Marseille. Oui, qui est le grand classique, donc après vous avez plusieurs versions, après ça c'est plutôt un rider. Bien, je vais aller dire bonjour aux voyantes, merci beaucoup. Merci à la librairie L'Or du Temps. À Grenoble. Par chance, à Grenoble, vous avez la clim. Bon, on a des clientes qui viennent de loin, mais elles ne veulent pas parler. Avant? Vous venez d'où? Haute-Savoie. Ah oui, d'où ça, Haute-Savoie? Saint-Gervais. Ah ben oui, moi j'habitais à Salinches. Vous êtes bien, regardez-en, bonne mine, bon teint. Et alors, c'est pour vos vies à venir, études? Voilà. Vous avez des doutes? C'est ça. De toute façon, on vient toujours quand on a des doutes. Vous avez des doutes? Vous voulez avoir des... Vous avez des questions sur votre vie amoureuse, travail? Non, c'est pour mon fils et mes petits-enfants. Ah, voilà. Quand on est souvent, enfants. Madame, elle ne veut pas parler, tant pis pour elle, je la vois chaque année. Ben, moi aussi, je viens tous les ans. Ben, moi aussi, je viens tous les ans. Oui, voilà. Emmanuel, que je lui dise un petit bonjour. Il y a bonjour à tous. Il est là-bas, je vais lui dire bonjour. Merci Marine. Il est là Emmanuel. Bonjour. Il ne me reconnaît plus. Si. Il a grisonné un Comment peu. Comment vas-tu? Souriez, vous êtes filmé. Ça va? Je te serre la main? Oui. Emmanuel Siméon. Oui. J'adore votre nom déjà. Alors, avec quoi vous travaillez Emmanuel? Parce qu'on est sur la chaîne Autour du Lac, tu sais, Facebook, Instagram. Oui. Et le site autourdulacdubourget.fr et le magazine. Avec quoi vous travaillez, vous, Emmanuel? Alors, moi, c'est les tarots, voyance directe, le pendule. Ah oui! Et le café aussi, de temps en temps. Voilà, et ligne de la main. Vous faites quoi, les lignes de la main? Voilà. Ah, bon. Et vous pourriez voir quelque chose comme ça pour moi, juste la main gauche ou la main droite, Emmanuel? Moi, je l'avais vieux, Jérôme. C'est vrai? Bien sûr. Vieux et chiant ou pas? Remarquez, jeune, il paraît que j'ai failli pas durer longtemps, hein. Non, tu vas vivre vieux, tu vas vivre. Bon, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Emmanuel Siméon parmi d'autres collègues, il a toujours le sourire un peu de la Drôme, hein, qui est là pour 10 jours 20 jours, vous avez trouvé un logement, c'est bon? Oui, oui, ça va. Bon, super. Ça Je va. Reviens vous dire bonjour. D'accord. Voilà, hein. Emmanuel okay. Siméon parmi d'autres ici, ils sont 11 voyantes et voyants, médiums, astrologues. Non. Dominique, je ne veux pas les oublier, bonjour, bonjour, là c'est Isa. Hein, je fais pas le tour, c'est avec long. On s'est déjà vu. Andy, dis-moi oui, Andy. Tout à fait. Ça va, Andy? Ça va. Ça va. Un plaisir de vous revoir. Oui, vous aussi. Je viendrai vous saluer. Ça va, Scorpion? Oui, Scorpion. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est l'ambiance. Merci, hein. J'ai fait qu'un passage. Merci Marie-Hélène, qui est la grande cheftaine, mais qui est aussi voyante. Oui. À Chambéry. Toujours de ton cabinet? Oui. Voilà. Ça dure jusqu'où? 20 août.
jusqu'au 20 août. Bon, bah, très bien. Au moins, il y aura la clim, hein. Parce que comme ils annoncent 35, 36, 37, 30. Peut-être semaine prochaine un peu mieux. Merci, je vous souhaite un excellent salon. Merci, et passe-nous voir. Sur Facebook, Instagram, le site autour du lac du Bourget.fr, sur YouTube. Vous partagez tous. Merci, hein, mesdames. Merci.